Bonjour bien-aimés, c'est Eloge Ekissi. Je suis là pour partager des prières avec vous dans le but de vous aider à détruire les œuvres de la sorcellerie. Cette prière est la deuxième partie de la première que nous avions déjà faite pour ceux qui l'ont déjà reçue et j'avais promis que nous allions continuer. Dans la partie précédente, nous étions en train de détruire les œuvres de la sorcellerie. Et comme je l'avais introduit déjà, j'ai dit que la sorcellerie était à la base de beaucoup d'échecs, beaucoup de retards, beaucoup de blocages, beaucoup de morts prématurées. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup sont bloqués à certains niveaux de leur vie, tournent en rond et ne parviennent pas à obtenir certaines choses. Aussi, j'avais dit dans l'audio que quand Dieu veut agir, il bénit les gens. Mais que quand la sorcellerie veut détruire, elle maudit les gens. En effet, la sorcellerie, la magie, le monde des ténèbres en général ne peut travailler sans utiliser les malédictions, les vœux, les paroles négatives et les envoûtements. Comme la Bible nous le dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que tu seras à l'abri de tout fléau de la langue et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Donc, quand la Bible parle du fléau de la langue, ce sont toutes les malédictions, les pratiques, les vœux, les déclarations, les prédictions que la sorcellerie fait pour programmer le malheur sur la vie des enfants de Dieu. Si vous allez dans le livre d'Ésaïe 54 au verset 17, la Bible dit que « Tout âme forgée contre toi sera nulle et sans effet, et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Et ces paroles que tu dois condamner sont les malédictions, les paroles négatives. Beaucoup font l'erreur de citer quand les gens sont en train de les maudire, et aujourd'hui, beaucoup d'hommes ou femmes sont en train de subir les conséquences des paroles qu'ont déclarées sur eux les partenaires en colère lors de leur séparation. Il y a des gens qui, lorsque vous êtes en train de vous séparer, disent « Sans moi, tu ne vivras pas. Si tu ne m'appartiens pas, tu n'appartiendras à personne. Sans moi, tu ne trouveras jamais quelqu'un d'autre. Si tu me quittes, tu souffriras. » Et ces personnes ont gardé la bouche fermée et sont en train de subir les conséquences de ce qui a été dit dans leur vie. C'est pour cela que j'ai jugé bon qu'on apprenne à briser les malédictions afin que nous ne soyons pas condamnés par les paroles d'une personne en colère qui souhaite qu'on souffre toute notre vie. Si vous êtes d'accord avec moi, disons déjà merci à Dieu pour commencer. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour cette deuxième partie de prière pour briser les malédictions. Aujourd'hui, je me rends compte que par la parole, nous pouvons être bénis et par la parole, nous pouvons être maudits. Donc, je te remercie de l'occasion que tu me donnes de faire cette prière parce que elle est arrivée à moi et je sais que ce n'est pas par hasard. Bénis la personne qui m'envoie cette prière et bénis-moi aussi alors que je prie. Pardonne-moi mes péchés et lave-moi. Que ton esprit me contrôle alors que je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous avez remarqué, la première partie qui consistait à dire merci à Dieu a été un peu plus rapide. Maintenant, voici le procédé. Durant cette prière, j'aimerais que vous écoutez d'abord. Puis, faites pause pour répéter les paroles qui vous intéressent. Et après avoir répété, sincèrement, continuez à la prochaine prière. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez répéter avec moi pour ne pas être distrait alors que vous êtes en train de faire la pause, mais assurez-vous de répondre encore et encore jusqu'à ce que vous sentiez que cette prière a impacté votre vie. S'il vous plaît, ne négligez pas ces paroles. Partagez-les aussitôt que vous aurez fini. Parce que certainement, beaucoup sont en train de subir les paroles qu'on déclarait sur des personnes en colère ou des personnes qui voulaient les voir échouer. Allons-en maintenant à la prière, maintenant, dans le nom de Jésus, prions. Seigneur Jésus, je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, je prends le contrôle de toutes les malédictions et je les brise au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction placée sur moi par une personne ou un ancien partenaire qui souhaitait que j'échoue ou que je souffre dans la vie soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction placée sur ma vie pour faire échouer tout ce que ma bouche va annoncer soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction de mariage tardive qui fait que toute relation que j'ai tente de bâtir échoue, soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction du mariage tardive qui fait que toute relation que je tente de bâtir échoue, soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
que toute malédiction et alliance de succès tardif qui combat tous mes projets soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction et alliance de succès tardif qui combat tout ce que je tente de réaliser soit brisée et annulée au nom de Jésus. Que toute malédiction et alliance de non-accomplissement soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction et alliance de fortune et accomplissement tardif soit brisée et annulée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction et alliance de fortune et accomplissement tardif soit brisée et annulée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction qui dit que tous ceux que j'aime ne vont jamais m'aimer à ma juste valeur soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction qui dit que tous ceux que j'aime ne m'aimeront pas à ma juste valeur soit brisée et annulée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction qui fait que je me sacrifie pour des gens qui ne me rendent pas la pièce de ma monnaie soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction qui fait que je me sacrifie pour des gens qui ne me rendent pas la pièce de ma monnaie soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais reformuler cette prière. Que toute malédiction qui fait que les gens me détestent malgré mon amour pour eux soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction qui fait que les gens me détestent malgré mon amour pour eux soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction qui veut que je souffre pour obtenir tout ce que je désire dans la vie soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui a été utilisé pour me laver dans mon enfance et qui m'affecte soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été utilisé pour me laver dans mon enfance et qui m'affecte aujourd'hui soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction qui dit que tous ceux qui sont sortis des entrailles de ma mère ne se marieront jamais sur cette terre des vivants soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction qui dit que tous ceux qui sont sortis des entrailles de ma mère ne se marieront jamais sur cette terre des vivants soit brisée et annulée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant briser les conséquences des critiques que nous avons subies. Parfois, quand certains de nos amis sont ensemble et n'ont rien à dire, les seules choses qu'ils savent faire, c'est de nous critiquer, de nous juger et de parler de nous. Parfois, quand nous sommes en train d'agir ou de tenter de réaliser quelque chose, certaines personnes qui pensent que nous sommes en train de mal faire les choses ne nous font pas face pour nous dire ce qu'elles pensent, mais dans notre dos, elles ne font que nous juger, condamner et parler de nous. Et parfois, ces paroles deviennent comme des malédictions qui nous combattent. Alors, nous allons briser tout ce qui a été dit contre nous ou tout ce que certains pensent de nous de négatif. Prions. Je brise maintenant tout ce qui a été dit contre moi par un groupe d'amis qui a jugé bon de me juger et condamner au nom de Jésus-Christ. Je brise toute pensée négative émise contre moi par un groupe d'amis ou par une personne qui pense que je suis en train de mal agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne à ceux qui ne sont pas contents de ma façon d'agir et qui ne me le disent pas, mais qui passent leur temps à me juger et condamner. Je brise les conséquences de leurs paroles sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute conséquence des paroles placées sur ma vie par un groupe d'amis qui a trouvé l'occasion de me dénigrer et de parler mal de moi au nom de Jésus-Christ. Je brise toute condamnation placée sur ma vie par des gens qui ont jugé bon d'influencer ma vie par leurs paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise maintenant toutes les paroles déclarées sur moi par une personne qui n'a pas approuvé ce que j'ai dit ou fait au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a des pensées négatives qui ont été projetées contre moi par mes amis ou connaissances, je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, s'il y a des pensées négatives ou paroles négatives qui m'ont été envoyées par un individu qui me déteste, je les brise et je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je prophétise l'annulation de tout ce qui a été dit contre moi au nom de Jésus. Je brise et j'annule tout ce qui a été planté dans ma vie pendant que je dormais profondément au nom de Jésus-Christ. Je brise et j'annule tout ce qui a été planté dans ma vie alors que je dormais profondément au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous avons déjà terminé cette deuxième partie de la prière dont je vous ai parlé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre journée dans le nom de Jésus. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu bénisse tout ce que vous êtes en train d'entreprendre au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur vous ouvre les portes et vous élève dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous êtes malade en ce moment, je prie pour votre guérison au nom puissant de Jésus. Si vous êtes à la recherche d'un enfant, je prie maintenant pour votre fécondité et pour votre enfantement au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes bloqué et en retard, je prie pour un déblocage dans votre vie et pour l'accélération de vos affaires au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu vous saisisse et vous bénisse. Soyez prospères à tous égards. J'annule tout ce qui a été dit sur votre vie au nom de Jésus. Je brise et j'annule tout ce qui a été programmé sur votre vie au nom de Jésus. Je brise et j'annule tous les mauvais rêves qui hantent votre esprit au nom de Jésus. Que toutes les barrières sur votre chemin cèdent au nom de Jésus. Que Dieu marche devant vous pour dégager votre chemin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen. Voilà, mon nom c'est Eloge et ici j'ai jugé bon de partager cette prière avec vous parce qu'il est temps pour vous de prospérer. Alors, partagez ces prières à tous vos contacts. Ne sautez personne parce qu'on ne sait jamais qui est en train de souffrir et qui peut avoir besoin de ces prières. Mon numéro, c'est le 001-438-995-4109. 001-438-995-4109. Je reprends 001-438-995-4109. Pour ceux qui sont au Canada, vous n'avez pas besoin de faire le 001. Mais vous qui êtes en dehors du Canada, vous pouvez faire le 001 et faire suivre du 438-995-4109 pour pouvoir me joindre sur Internet ou pour pouvoir commander mes livres de délivrance et des combats spirituels. Allez-y sur Internet au 3xW sur mon site Internet. 3xW, elogeekissi.com. 3xW, elogeekissi.com. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page YouTube où vous découvrirez des dizaines et dizaines de prières, de combats d'enseignement et participer aussi à mes programmes sur Facebook en m'ajoutant. Vous trouverez plusieurs pages d'Éloge Ekissi, mais soyez certains, ces quatre pages d'Éloge Ekissi m'appartiennent. Alors, n'hésitez pas à m'ajouter ou à m'envoyer un message au cas où vous aurez apprécié cette prière. Voilà, si c'est aussi juste un petit message de remerciement, cela me fera plaisir. Dieu nous demande d'être reconnaissants et parfois beaucoup oublient de dire merci quand bien même qu'ils apprécient les actes que nous posons. Alors partagez et que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Merci, merci, merci. C'était Éloge Ekissi depuis le Canada. Soyez bénis. Amen.